Bonjour les amis. Alors, chose promise, chose due, on commence. Quand on veut dire on commence, message, écrire à la présidence. Voilà, je suis sur le site de la présidence. J'ai marqué quelles sont vos coordonnées. Donc, j'ai mis mon nom, mon prénom, survivre au cancer, l'adresse. Etc. etc. Alors, quel est notre message? Quel est votre message? Je dis que je suis en particulier parce qu'il n'y a pas marqué je suis une association ou il n'y a rien qui me propose autre chose. Donc, s'adresser à un service de la présidence. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, quelle plus belle réussite pour le président de tous les Français? De sauver 200 000 vies chaque année. Y a-t-il une plus noble cause? Ce pouvoir est entre vos mains. Je me présente, Guy Tenenbaum, représentant l'association Loi 1901, Survivre au cancer, numéro, etc. J'ai été diagnostiqué d'un cancer de la prostate phase 4 avec métastase dans les os et les ganglions lymphatiques, glisome 4 plus 4. Mon cancer est incurable et les médecins me donnent un maximum d'un an à vivre. Je n'accepte pas ce diagnostic, étant donné que j'ai cherché et trouvé des traitements à travers le monde qui manifestement fonctionnent, puisque ma santé s'est grandement améliorée en 10 mois. Nous vous avons déjà contacté au mois d'avril 2019 et n'avons jamais obtenu de réponse de votre part. En effet, il est inadmissible que nos organismes officiels laissent mourir environ 200 000 Français chaque année sans essayer de les sauver. Les essais thérapeutiques que nous vous réclamons sont très simples à réaliser et ne coûtent pratiquement rien. Votre mission est de sauver nos concitoyens. Étant donné que ce formulaire n'accepte pas les liens Internet, je vous demande à nouveau de me contacter afin que je vous donne la liste des effets thérapeutiques qui sont absolument nécessaires. De plus, nous estimons que le traitement des malades du cancer dans la majorité des hôpitaux français est fait en dépit du bon sens. D'un côté, les hôpitaux essaient de les soigner avec chimiothérapie, radiothérapie, etc. Et de l'autre, ils sont empoisonnés à coups de glucose et d'hydrate de carbone à chaque repas. La décision de changer tout cela vous appartient, était extrêmement urgente. Ai-je encore besoin de rappeler que 200 000 de nos compatriotes meurent chaque année et que nos organismes de santé ne font rien? Très respectueusement, Monsieur le Président, Guy Tenenbaum, Survivre au cancer, le numéro de téléphone et le email. En dessous, envoyez, voilà, j'ai déjà rentré le texte, envoyez mon message à la présidence. Je clique. Alors, il me demande de renvoyer, recopier ici le texte ci-dessous. Alors, 5. S 4 E Q H, envoyez mon message à la présidence. Voilà, la dernière fois ça avait marché, on n'a pas eu de réponse. Et cette fois-ci, je recommence. Bon, quoi qu'il en soit, cette même lettre, alors je ne sais pas si suffisait de cliquer, c'est devenu blanc, après c'est devenu bleu. Je recommence un coup pour voir. Ouais, pas très clair. Bon, de toute façon, on va envoyer ce même courrier en recommandé à l'adresse Palais de l'Élysée. 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris, France, comme c'est indiqué.
Voilà, donc ça c'est la première lettre qui est envoyée à Monsieur le Président Macron. Il me dit le captcha est invalide. Et pourquoi il est invalide alors que j'ai mis... Bon, on va recommencer. Le captcha. 5. Après. S. 4. Oui. E. Oui. Q. H. Et je reclique à nouveau. Ah, il se passe quelque chose. On ne sait pas trop quoi. Voilà. Ah, voilà. Là, je pense que ça a marché. Puisque tout a disparu. Voilà. Voilà, alors j'espère que ça servira à quelque chose et que, Monsieur le Président, vous allez m'aider, vous allez nous aider, nous, les 200 000 Français qui meurent chaque année. Merci, Monsieur le Président.